L'évangile de Marc. The Gospel of Mark, chapitre 4, chapter 4, verset 19. Verse 19. Marc, chapitre 4, le verset 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Mark chapter 4, verse 19. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires of other things come in and shook the world, making it unfruitful. Amen. Reviens en français. Come back into French. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. Amen. Le désir, the desire, d'être riche, to be rich, est un piège, is a snare. Il y a des gens qui pensent que on choisit d'être riche pour Dieu. There are people who think that we choose to become rich for God. Et ils font de ça des projets. And they make of it projects. Que mon but c'est de, je travaille pour être riche pour financer l'œuvre de Dieu. And they say that my goal is to work to become rich and give funds for the work of God. Quand Dieu veut, when God wants, que tu finances l'œuvre, that you finance the work, il ne te fait pas tâtonner. He does not make you fumble. Il te bâtit dans la richesse. He builds you in richness. Il te bâtit, il te prend comme on baptise un homme. Il te baptise dans la prospérité. He baptizes you in prosperity. Vous ne recevez même pas ça par la foi. You don't even receive it by faith. Amen. Ça c'est une révélation. Allez méditer. This is a revelation. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est assis. I had never seen somebody who sat down. Qui a dit que je veux devenir, je suis en train de créer telle chose pour avoir l'argent et investir en Jésus. That I'm doing creating something to have money and invest in Jesus. Je n'ai pas vu cet homme réussir. I've never seen that man, such a man succeed. Mais j'ai vu des gens que Dieu prend, ils bâtissent dans la richesse et ils deviennent des piliers de l'évangile. And I've seen men, people that God takes and baptize them in riches and they become pillars of the gospel. Certains n'avaient rien. Some of them had nothing in the past. Donc ils n'avaient rien planifié. So they did not plan anything. Dans le sage, dans le sens d'être grand, riche un jour. In the sense of becoming great and rich one day. Dieu les baptise dans la richesse. God baptizes them in riches. Quand tu forces, when you force, tu seras rempli de soucis. You will be full of worries. Des convoitises. You will be filled with tu worries. Tu vois une voiture, tu dis il me faut ça.
evil desires, you see a car. Quand les gens rendent témoignage, quand quelqu'un dit que j'ai reçu 100 000 francs. When people testify, somebody say that I have received 100,000. Ton cœur est enflammé de convoitise. Your heart is set on fire with evil desires. Tous ceux qui rendent des grands témoignages sur les richesses, dès que la réunion finit, tu les cherches. All those who give great testimonies about richness, when at the end of the meeting you seek them. Je vais te partager mon projet. I'll share you, with you my tu project. Partages à gauche, à droite, devant, derrière, et ça ne donne rien. And you share your project left, right, in the front, behind, and it gives nothing. Un autre. Another one. Reçoit ça comme une impartition. Received it as an il impartition. Il nage dedans. And he even swims in it. Sans souci, sans péché. Without worry, without sinning. Il faut croire à ça. You must believe that. Donc ne laisse pas les soucis du monde te remplir et tu te justifies en disant c'est pour la gloire de Dieu que je poursuis tout ça. So do not allow or let the worries of the world fill you and you say it's the, for the glory of God that I do all this. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Evil companions corrupt good characters. Que tu exposes en ce jour, Seigneur. Merci pour ce piège que tu exposes en ce jour. Planifier que je serai riche pour Jésus. Ça n'a jamais marché. Ceux qui s'y sont engagés ont toujours fini à rétrograder. Seigneur, les témoignages sont nombreux. Quand Dieu veut prendre quelqu'un, lui donner la richesse pour servir Dieu, pour investir dans son œuvre. Dieu le baptise avec la richesse. Il lui impartit la richesse. Il n'y pense même pas. Il sert Dieu simplement et Dieu le bénit avec la richesse. Seigneur, les témoignages sont nombreux à ce niveau. Nous suçons ce piège. Nous suçons ce piège. Nous détruisons ce piège, et nous délivrons tous ceux qui ont été déjà pris dans ce piège. Au nom de Jésus-Christ, nous arrachons à Satan tous ceux qu'il a trompés à travers ce piège et qu'il est en train de mener loin de Jésus. Nous les rattrapons et nous les ramenons au nom de Jésus-Christ. Nous relevons ceux qui sont tombés et nous proclamons que cette vérité est venue pour délivrer tous ceux-là qui avaient été déjà pris dans ce piège. Nous la scellons et nous la protégeons au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, merci infiniment de ce que tu nous as envoyé ici, Seigneur, pour nous enseigner de sa puissance, vérité, ô notre Dieu, qui nous délivre, Seigneur, de l'œuvre du Satan. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Merci infiniment pour ces âmes que tu nous as envoyées, Seigneur. Ces âmes que tu as envoyées pour faire ton œuvre. Nous te bénissons, nous t'exaltons au nom de Jésus. Merci parce que tu nous bénis avec la parole. Nous comprenons pourquoi nous sommes ici. Oh Dieu, parce que tu es ignorante. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu m'enseignes pour que l'ignorance finisse dans ma vie. Que la gloire, l'honneur, la magnificence, Seigneur, reviennent à toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je bénis ton nom et te rends grâce. Pour ce grand piège que tu viens de dévoiler, Père. Le fait de se forcer d'être riche pour Jésus, Seigneur. Car c'est un grand piège, Seigneur, que je ne savais pas, Père. Aujourd'hui, tu viens de dévoiler ce piège, Seigneur, je bénis ton nom. Merci, Seigneur, pour ce grand piège, car c'est toi-même qui baptises celui que tu veux qu'il soit riche. Pour investir pour ton œuvre. Oh Père, merci pour ce grand piège que tu viens de dévoiler. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci d'exposer mon cœur, Seigneur. Seigneur, tu es vrai. Seigneur, tu es réel. Ce matin même, Seigneur, tu as répondu à cette question. Lorsque nous étions en train de faire la réunion de famille. Seigneur éternel, tu viens encore confirmer ta parole
à travers ton serviteur. J'avais ce projet dans mon cœur. Oh, devenir riche pour investir dans l'œuvre. J'étais troublé, Seigneur. Je voulais vraiment devenir riche pour investir dans l'œuvre. Mais tu viens d'exposer mon cœur. Tu viens de corriger mon cœur, Seigneur. Tu viens de me dire que toi-même, tu baptises dans la richesse. Oh, Seigneur, tu viens de me dire que des gens n'avaient rien, mais tu les as baptisés dans la richesse. Ils sont devenus des piliers de l'œuvre. Je cède, Seigneur. Je cède, Seigneur. Et je te laisse toi-même me baptiser, Seigneur. Je m'engage, Père éternel, à travailler pour ne pas avoir de regards inquiets, envieux, oh Père éternel. Je m'engage à te servir sans tenir compte de toutes ces choses qui ont embrouillé mon esprit, Seigneur éternel. Merci infiniment, oh Dieu, pour ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, it's true. Your word says silver and gold belongs to you. And you give it to who you choose. Father, thank you. Because I've read this word so many times without really understanding what it means. But today, you've decided to have pity on me and to remove the veil from my eyes, to understand clearly, Lord, what your word truly means, Father. We cannot go about searching wealth to serve you because we'll get lost along the way. But Father, you're the one who immerse us into riches for your glory, into riches for your kingdom. Father, I thank you for making me understand this today. I thank you for opening my eyes and my ears to understand this deep truth, this truth that is so plain, which my eyes could not see. And Father, I take a firm commitment, O Lord God, to cooperate with you because I know, Father, you will baptize me into wealth, wealth for the glory of your kingdom, wealth for your work in Jesus' name. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup de nous révéler ce matin encore, Seigneur, que le désir de devenir riche, c'est un piège de Satan qui va nous faire perdre tôt ou tard. Oh, notre Dieu, je veux prier particulièrement, Seigneur, pour nous les missionnaires. Seigneur, que les pensées de devenir missionnaire pour devenir riche cessent et soient bannies du milieu de nous. Oh, notre Dieu, Seigneur, je prie que tu viennes à notre secours. Je prie que tu viennes à nos secours et au secours de toute la jeunesse, de toute l'Église. Seigneur, que le voile soit déchiré, que ceux qui ont été déjà piégés, oh Seigneur, reviennent. Reviennent, 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 Seigneur. Nous te supplions, viens nous secouer, aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu viens de me parler. Oh, notre Dieu, notre Père, je réalise que je suis tombé dans un piège. Oh, Seigneur, lorsque tu m'as appelé, Seigneur, j'étais prête à tout. Seigneur, aller prêcher partout, dormir dans la faim. Oh, Seigneur, cela ne me disait rien. Mais, Seigneur, depuis que j'ai pris le projet d'entreprendre, Seigneur, je vois que je suis loin de toi. Seigneur, je vois que je suis loin de toi. Oh, notre Dieu, notre Père. Je suis même allé voir le missionnaire. Il m'a dit, quelque chose est rentré dans ton cœur. J'ai dit, oui, papa, c'est vrai. Quelque chose est rentré dans mon cœur. Je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut servir Dieu sans les moyens? Il m'a dit non. Mais Seigneur, quand je suis allé réfléchir, j'ai vu que les deux choses ne pouvaient pas aller. Parce que j'avais perdu mes habitudes, Seigneur. Je n'arrivais plus à rendre visite. Même méditer, j'étais fatigué. Oh Seigneur, je prie, mais je ne peux pas écrire. Oh Seigneur, aujourd'hui tu viens de déchirer le voile. Seigneur, je prie que tu m'aides à revenir à toi. Oh notre Dieu, notre Père. Et je prie pour tous ceux qui sont dans la même situation que moi. Seigneur, accorde-nous de voir, oh notre Dieu, notre misère.
loin de toi. Seigneur, je supplie ta grâce. Fais-le au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Avant de prier, je voudrais dire quelque chose. Je suis Gazois Jean-François. Je suis missionnaire dans la région des Grands Ponts. Je suis disciple serviteur du pasteur Boniface Meunier. J'aide le pasteur Mathieu Nguessan à conquérir la dite région des Grands Ponts. Gloire à Dieu. Amen. Je suis allé en mission et le send-off a été en 2018. Le 18 juin 2018. 2018 non, 2008, pardonnez. Le 18 juin 2008. Quand nous sommes allés en mission, je disais que non, il faut que je sois très riche. Parce que je voulais même devenir d'abord même grand financièrement. Donc au départ même, je sentais l'appel de Dieu, mais je fuyais. Je me disais que missionnaire là même, c'est quoi? Je veux devenir, je veux aller à l'école. Je veux devenir puissant financièrement. Donc ça, ce n'était pas encore quitté totalement. Dieu m'a attrapé. Je suis allé en mission, mais il y avait un peu de ça en moi. Donc je me suis dit que je voyais quand même des missionnaires qui servaient Dieu, ils réussissaient, mais ils avaient de petites affaires qui marchaient, donc ils ne manquaient de rien. Je me suis dit que mais c'est que ce n'est pas un péché. Je me suis engagé à faire une première entreprise, ça n'a pas marché. Je me suis engagé, pour aller vite, je passe vite, je me suis engagé dans la cigogne, ça n'a pas marché. La troisième, Dieu m'a dit que non, toi, tu dois vivre sur l'autel. Il ne faut pas regarder les autres. Toi là, tu vas vivre sur l'autel. Tu vas vivre sur l'autel. Ok, je me suis calmé. Pendant qu'on avançait, j'ai dit non. J'ai relancé une quatrième. Là, Dieu m'a menacé. C'est même par amour. Sinon, à un certain moment, Dieu peut se taire, tu t'égares. Il m'a dit que, pasteur Gazois, comme pour me réprimander, si tu continues, je te quitte et tu seras le plus malheureux de la terre. J'ai été effrayé, j'ai tout arrêté. Alléluia. Je me suis concentré sur la conquête. Parce que quand je fais quelque chose, je ne veux pas échouer. Je veux satisfaire le cœur du Seigneur. Je me suis engagé quelques années après. L'œuvre a décollé à un niveau où moi-même je ne comprenais plus rien. Parce que mon niveau de consécration à Dieu n'était pas arrivé au niveau où l'œuvre était arrivée. Et j'ai commencé à me perdre. Une fois, le papa enseignait, il a enseigné sur les retraites spirituelles. C'est ça qui m'avait calmé et j'ai réussi à contrôler la conquête. Et quand ça a continué, le Seigneur a béni, il m'a donné des lots. Ce que je ne pouvais pas avoir à un certain niveau, même si j'avais de l'argent à un certain niveau, même quand si je travaillais à la fonction publique ou pas. Actuellement, nous sommes en train de construire, mais nous avons mis une pause pour des raisons personnelles, nous sommes en train de construire notre maison sur un îlot de 3 lots. Nous sommes en train de construire, nous avons déjà dépassé la fondation, nous sommes à un certain niveau, nous avons mis la pause. Le Seigneur nous a donné un premier véhicule qui était une 4x4, parce que dans mon esprit, je voulais accompagner le pasteur Meunier dans les régions. Bon, c'était une voiture pour les longs voyages. Maintenant, c'était ce projet n'a pas marché, il m'appelait très souvent au niveau d'Abidjan. Donc, il fallait aller rapidement. Donc, on a dit que bon, ça, c'est pas. On a prié, Dieu nous a donné une seconde petite voiture. La première, là, c'est pas ça qu'on a. On a pris pour acheter vendu pour acheter la deuxième. Dieu nous a donné une petite voiture. Donc, on était obligé de vendre la première parce qu'on ne voulait pas avoir plusieurs. Donc, il nous a donné une petite voiture qui ne me plaisait pas trop. Mais c'était la volonté de Dieu. C'est avec ça que je fais les mouvements mobiles rapidement. Et Dieu ne s'est pas arrêté. Il nous a donné plusieurs lots à Grand Laou. Il nous a donné des lots à Yamoussoukro. Il nous a donné des lots en Songon. Aujourd'hui, nous ne sommes pas millionnaires, mais nous ne manquons de rien. Dieu prend soin de nous. Même les vêtements que je porte là, actuellement là, ce sont des dons. Alléluia. On les coupe, on me les donne. Pas que nous avons l'argent, mais frères, nous sommes très heureux.
Tu vas voir dans le compte même, il n'y a pratiquement rien. Le compte familial. Et Dieu me disait que c'est moi qui prends soin de toi. Si tu t'amuses à poursuivre la richesse, là, c'est moi qui donne la richesse. Et je suis en train de comprendre que si Dieu m'avait rendu riche en ce temps-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis heureux. Mes enfants sont heureux. Mon épouse est heureuse. Et nous dirigeons l'œuvre, les brebis sont heureux. Et les brebis sont en train d'être bénis parce que ce sont eux nos richesses. Je veux être infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a gardé de la perdition. Père, merci beaucoup. C'est la vérité. Poursuivre la richesse, c'est un piège. Tu m'as gardé de ce piège-là depuis très longtemps. Et aujourd'hui, tu prends bien soin de moi. L'argent est une bonne chose, mais c'est toi qui donnes l'argent. Et quand tu veux rendre riche, tu baptises dans la richesse. On n'a pas besoin de se débrouiller. Aujourd'hui, je suis riche. C'est toi qui m'as rendu riche. À toi la gloire. Je te rends grâce parce que tu n'as pas voulu que je m'égare. Béni sois-tu parce que tu me conduis tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je veux dire merci infiniment. Bon. Je suis la sœur Songa, moi Elisabeth. Je faisais les disciples, le pasteur Zoba de Yamsoukro. Je veux infiniment être reconnaissant à notre Seigneur Jésus qui m'a dégagé de deux pièges. D'abord, je suis monitrice aux agneaux à Yamsoukro. Et présentement, les enfants sont partis aux vacances en crise. Et ce n'était pas prévu que je sois là. Et par le canal d'une sœur, elle a demandé à ce que je parte, demander la permission à ma maman. Mais voyant Jésus-Christ qui demandait la permission, pas moi-même. Et je suis partie tenter ma chance. Et Dieu a pourvu, il m'a donné la permission. Et quand je venais, bon, quand je suis arrivée, je me suis dit quoi? Seigneur, envoie-moi où tu as besoin de moi. Mais au fond de moi, je voyais ici, bon, vraiment, c'était la vie. Je ne me voyais pas en train de travailler. Et mon cœur balançait. Et quand je suis arrivée, il y a un frère qui m'a dit que, sœur, tu es recrutée au niveau de la plonge. Gloire à Dieu! Mon cœur n'était pas dedans. Et une autre sœur est venue, encore, elle a dit la même chose. Une troisième personne, mais mon cœur balançait. Et je dis à Dieu, Seigneur, où tu veux que je travaille, emmène-moi là-bas, parce que je ne voulais pas aller là-bas. Mon cœur était ici. Donc, comme je refusais, mon visage de disciple a demandé à ce que je vienne m'asseoir ici. Il fallait que je cherche Dieu. J'ai pris un jour pour réfléchir. Et le lendemain matin, j'avais cherché Dieu le matin. Ma question, c'était, Seigneur, où veux-tu que je te serve? Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, là où tu vas aller t'asseoir, l'enseignement, c'est moi qui donne. Va me servir. Et j'avais demandé à Dieu de libérer mon cœur. Pour que vraiment, là où je serai pour le servir, mon cœur soit libre. Et quand je suis partie, il y a Dieu, frère, je suis venu m'inscrire parce que j'ai réfléchi un jour et je vois que c'est là que je dois servir le Seigneur. Je veux bénir Dieu, pourquoi? Lorsque j'ai commencé là-bas, ils sont venus me dire que et on ne devrait pas venir parce qu'ils avaient donné les ordres. Si on doit être à la plonge, on ne doit pas venir aux enseignements ici. Mais j'avais enlevé mon cœur là-dedans. Et on vient nous dire qu'on peut se relayer pour assister aux rencontres. Vraiment, j'étais remplie de joie parce que je suis à mon poste. J'allais échouer. Je suis venue à tu sais quoi pour être bénie, c'est vrai. Mais j'allais échouer parce que je n'allais pas être à mon poste à cause des pièges de Satan. Donc, je veux être infiniment reconnaissant à notre Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et encore, je veux dire merci à Dieu de ce qu'il m'a arraché de justesse au monde. Il faut dire, quand j'ai cru, j'avais arrêté avec les histoires des copains et autres. Mais j'avais un souci. C'était le sexe opposé. C'est-à-dire, j'aimais l'amitié du sexe opposé. Et quand je suis arrivée en classe de première,
J'avais un voisin, mais je dois bien faire aussi. Avec le voisin, il y avait les problèmes d'immoralité sexuelle. Immoralité sexuelle. Je suis allée voir mon dirigeant. Il m'a dit, non, tu changes de voisin. Tu prends une voisine. Quand je me suis retournée, je m'asseyais là. Pas parce qu'on se draguait, non. Mais dans la pensée, vraiment, ça n'allait pas. Mais j'avais désobéi. Et je suis restée auprès de ce dernier. Nous avons fini la classe de première. Et bon, lui s'attachait à moi en tant qu'une sœur. Et en classe de terminale, lorsque nous avons fini, je dirais, l'année, on tendait vers la fin de l'année, il est venu près de moi, et près de moi, il m'a dit que j'ai un problème. Et j'ai demandé à ce dernier, quel est ce problème en question? Il m'a dit que dans la classe... Il faut aller tout droit au but parce qu'on doit rattraper le temps. D'accord, go straight to the point. OK. Il m'avait dit comme ça que j'aimais une fille à l'école, mais je ne savais pas comment la vouer. Mais pour moi, comme on s'amusait, j'ai ri. Oh, c'était moi. Quand j'ai insisté, il me l'a avoué. J'ai dit à mon disciple, elle m'a dit, c'est pas toi. Tu arrêtes la causerie. Je me suis dit quoi? Puisqu'il attachait à moi, si j'arrête, il sera brisé. Et j'acceptais, je continuais, bon, causais comme si de rien n'était. Et pour finir, j'avais commencé aussi à aimer ce dernier. Continuant dans ça, on a eu le bac. Et lui, ils l'ont affecté. Bon, il a été orienté à Boaké. Moi, je suis restée à Yamsoko. C'est là que les problèmes vont commencer. Nous avons commencé à échanger. C'est-à-dire, les jours même de l'enseignement, les vendredis, on causait. Une fois, nous avons causé de 21h à 5h du matin, un jour d'éveillé. Je voyais que j'allais, au fur et à mesure, je m'enfonçais dans le péché, mais je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est pendant la croisade, de novembre, je crois bien, je ne sais pas quel mois, octobre, novembre, par là. Pendant que je partais, puisqu'à la maison et au quartier, on me connaissait en tant que maman pasteur. Donc si je dois sortir, c'est pour aller à l'église. Et qu'est-ce que je faisais? J'aimais l'église parce que c'était mon idole. Pas Dieu lui-même, mais c'est l'église. J'aimais aller à l'église. Et pendant que je partais, c'est lui qui m'accompagnait. Et une fois, pour lui, c'était le sexe qu'il voulait. Mais moi, à mon niveau, je n'étais pas intéressée. Je voulais peut-être avoir un ami, on marche ensemble, mais le sexe, je ne voulais pas de cela. Et continuant dans ça, un jour, en m'accompagnant, on a eu à s'embrasser. Et ce jour-là, j'ai fait 3 jours. Quand je suis rentrée à la maison, il a fait 3 jours. J'étais dans les larmes. Je pleurais parce que j'avais mal. Mais je n'avais pas de force pour sortir. Parce que je connaissais mon faiseur de disciples. Je vais aller lui dire que je suis en train de rentrer. Parce que j'avais désobéi. Donc, je n'avais pas le courage d'aller dire que j'ai eu un problème parce que tu avais désobéi. Et c'est comme ça que j'avançais. Je pleurais. Mais je continuais toujours. Il partait m'accompagner. Et un jour, on avait pris la décision. On avait causé une nuit ce jour-là. Nous avons causé tardivement, je ne sais pas de quelle heure à quelle heure. Et ce jour, il m'avait demandé de prendre la photo de ma partie intime pour l'envoyer. Qu'est-ce qui s'était passé? D'abord, il a fait la vidéo, j'envoyais. Quand j'envoyais ce jour-là, listen. Cette nuit-là, je me suis masturbée. Moi qui avais cru, j'avais fini avec cela, je m'étais masturbée ce jour-là. Et quand j'ai fini cela, c'est comme si la crainte que Dieu avait mise dans mon cœur pour le sexe était partie. J'étais devenue une personne naturelle, comme quand je n'avais pas encore cru. J'avais changé à la maison, mais j'avais changé. Et mes petites soeurs disaient, parce que quand mon téléphone sonnait, c'était les soeurs, tout. Mes soeurs avaient accès à mon téléphone, mais arrivé un moment, ça ne pouvait plus être comme ça. Et un jour, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, ma grande soeur a dit, tes gars t'appellent. J'étais brisée. Au fond de moi, ça me faisait mal. Parce que je n'ai jamais entendu ça venant de quelqu'un depuis que j'ai cru. Et j'avais mal, mais je continuais. Et je me masturbais, j'avais commencé à mentir à ma maman. Moi qui ne mentais plus, j'avais commencé à mentir. Et j'avançais comme ça. Et un jour,
j'étais fatiguée. Donc j'avais décidé, parce que c'est lui-même, nous deux nous étions troublés. Et avant cela, on avait pris l'engagement d'aller commettre la fornication. Moi, je ne voulais pas, mais comme il insistait, j'avais dit, d'accord, j'ai compris. Ce dernier en question, lui, il était encore vierge, parce qu'il est de œuvre mission. Donc j'avais dit, d'accord, j'ai compris. Donc nous avons pris l'engagement. Toute la journée, j'étais troublée. Lui aussi de son côté. Donc quand lui est arrivé et qu'on devrait partir, bon, lui m'a dit, non, sérieusement, il ne veut pas pécher contre Dieu. Moi aussi, je lui ai dit à ce dernier, qui t'a dit, moi, mais elle est partie même. Et c'était resté comme ça. Et après, avant ça, bon, après ça, je suis allée voir la femme de mon dirigeant. Et je lui ai dit, maman, voici ce qui m'arrive. J'ai tout dit. Et la seule chose qu'elle m'avait dite, elle a dit que ce que tu viens de me dire là, la personne qui peut t'aider, c'est ton faiseur de disciples. J'ai commencé à pleurer. Parce que je vais lui dire comment. C'est ce que je me disais. Je vais commencer par où, terminer par où. Donc j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Elle m'a dit sincèrement, c'est lui qui peut t'aider. Et on s'est séparés. Donc je cherchais comment faire pour lui dire. Elle dit, soit tu l'écris, soit tu cherches à le rencontrer. Il y avait deux options. Moi, je voulais le voir. Mais comment commencer? Donc j'ai envoyé un message à mon dirigeant pour lui dire, vraiment, je suis gravement malade spirituellement. Et il a, lui aussi de son côté, vraiment, il a commencé à me mettre la pression. Viens, viens, pour qu'on puisse te rencontrer. Donc il me donnait, c'est lui-même qui mettait la pression pour qu'on se rencontre. Mais une chose était bizarre, que c'est le jeune en question qui mettait pression sur moi. Il me disait, il ne voulait pas. C'est comme s'il était troublé de son côté. Donc c'est lui qui me repoussait maintenant. Mais moi, je n'avais plus peur. J'étais devenue naturelle, comme quand je n'avais pas cru. Et je suis allée voir mon dirigeant. Par obéissance, je suis allée voir mon dirigeant. Et j'ai tout dit. Venant du jeûne, je suis allée voir mon dirigeant. J'ai tout dit. Il était tellement dépassé. Et il m'a demandé, est-ce que tu veux rester avec lui? Puisque c'est maintenant que vous avez eu le bac. Et il fait 5 ans après le master. Et puis vous mariez. Il m'a dit, mais pasteur, ce n'est pas un frère. Ce n'est pas un frère. Pourquoi je peux attendre ou bien? Je ne sais pas, ce n'est pas un frère. Et il m'a exhorté sur rentrée. Il m'avait dit une chose. Il m'avait dit que tu ne devrais plus causer avec lui. Mais au fond, bon, ça ne m'a rien dit. Il ne m'était pas répondu aux autres. Mais quand je suis rentrée à la maison, je ne sais pas. Le fait d'être transparente envers ce dernier, envers mon faiseur de disciples, ça fait que quand je suis arrivée, c'est comme si, bon, il était devenu, il ne m'appelait pas. Bon, il m'appelait, je ne décrochais pas. Pendant, on dirait 2 à 3 jours. Je ne décrochais pas, mais j'étais vraiment épanouie. Or, avant, quand il ne m'appelle pas, c'est moi qui appelais. Mais arrivé à un certain moment, ça ne me disait rien. Quand j'ai rencontré mon faiseur de disciples, tout avait commencé à changer. Acclamation. L'apophée. J'avais tout avoué. Il m'avait dit quoi? Le fait de prendre la photo, bien faire vidéo, ça veut dire que vous avez tourné la pornographie physiquement, vous deux. Et je suis partie devant le Seigneur. Là, je m'étais repentie. J'ai demandé pardon à Dieu. Et comme il insistait, il m'appelait seulement. Je ne pouvais pas décrocher sans l'ordre de mon dirigeant. Et je l'ai appelé. Il a dit à mon dirigeant, pasteur, il m'appelle, mais je ne sais pas comment lui dire de ne plus m'appeler. Et puis il m'a demandé, donc pendant ce temps-là, tu n'as pas causé avec lui. Il a dit, oui, pasteur, il était rempli de joie. Moi, tu ne pouvais pas faire une journée ou bien des heures sans avoir causé avec lui. Et puis je fais, on dirait, 2 à 3 jours, il m'appelle, je ne décroche pas. Vraiment, il était content. Et j'ai appelé ce dernier pour lui dire vraiment, pardonne-moi de ce que je t'ai conduit à commettre ce péché. En plus de ça, je t'ai conduit à tourner la pornographie. Pardonne-moi. Je m'étais excusée auprès de lui pour toutes les fois, en tout cas, tout ce qui s'était passé entre nous. J'avais demandé pardon à ce dernier. Et on s'était séparés. Il était dans son coin, j'étais dans mon coin. Mais une chose était bizarre, c'est qu'au fond de moi, c'est comme si je ne l'aimais pas, mais quelque chose arrivait à moi, quelque chose m'entraînait à l'appeler. C'est comme s'il n'avait plus peur, il n'avait plus la crainte de pécher au niveau sexuel. C'était bizarre. Donc une nuit, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, on échangeait de tout et de rien, je ne sais pas. Lui, mais il ne voulait pas, parce que lui, c'était le sexe ou rien. Donc, comme je ne voulais pas, il dit, tu me veux quoi?
Et en tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas. Mais je ne sais pas c'est quoi qui m'a tiré vers ce dernier. Donc, il a raccroché, puis il a fermé son téléphone. Donc, moi, j'ai dit, attends, c'est pas simple. Parce que là où je suis, pas parce que je veux pécher, je ne veux pas commettre le péché, mais il y a quelque chose qui m'a dit, quelle est cette chose? Donc, j'ai commencé à prier, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et pendant que je priais, il y avait reçu dans mon esprit que, en péchant, le Seigneur m'avait retiré ma capacité ou bien ma capacité à ne pas pécher, c'est-à-dire les forces, les richesses que Dieu m'avait données pour ne pas pécher au niveau sexuel. Le Satan m'avait volé. Il a dit, bon, donc toi, Satan, c'est toi qui m'as volé. J'ai commencé à juger. J'ai prié, détruit toutes les œuvres de Satan. Et j'ai demandé à Dieu de me restaurer. Gloire à Dieu! Amen. Et quand j'ai fini de prier, j'avais été restauré. Sérieusement. Et c'était fini. C'était fini. Depuis ce jour, c'était fini. Je vais être infiniment reconnaissante à Dieu. Et quand je suis partie, on devait rentrer dans l'année 2024. J'ai fait ça à Sassandra. Et vu ça, Sassandra. Le dirigeant disait, le pasteur disait que dites merci au Seigneur Jésus-Christ pour le fait que depuis vous avez cru vous demeurez. Mes yeux, c'est-à-dire le voile s'était déchiré. Il a dit d'accord. Donc, le diable vole, mais Dieu m'a protégé. Je t'aimais encore. Je t'ai rempli de joie. Cette parole est restée dans ma pensée jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu que c'était un privilège parce que j'étais à un pas. Si je commettais la fornication, peut-être j'étais plus au milieu des frères. Donc, je veux être infiniment reconnaissante à Dieu qui m'a délivré du piège de Satan. Que tout l'honneur et la gloire lui revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus-Christ. Thank you Jesus. Merci Jésus-Christ. Thank you Jesus. Gloire à Dieu. Je m'appelle Dangou Kosi César. J'ai professé disciple de la sœur Natacha. Je remercie Dieu parce que il m'a vraiment dégagé du père de Satan. Il faut dire que quand j'avais 19 ans, je voulais devenir riche à mon jeune âge. Donc, comme ça, j'ai demandé comment faire pour prêter dans la franc-maçonnerie. Et j'étais forcément au lycée. Donc, j'avais un professeur que je fréquentais beaucoup. Il avait l'argent. Il était un homme exceptionnel. Et il venait par moments enseigner, c'était rare. Donc, je voulais tellement le ressembler. Et je me suis approché de lui. Ah, comment vous faites depuis? Vous êtes. En tout cas, vous êtes très riche et j'attends parler de vous partout. Il a dit, mon petit, va à l'école, oublie l'argent. J'ai dit, non, je veux. Il dit, ok, prends mon numéro. Donc, j'ai pris son numéro et après, arrivé à la maison, je l'ai écrit sur WhatsApp pour dire que c'est votre élève. Donc, tout à coup, j'ai commencé à rentrer dans les profondeurs. Que j'aimerais savoir, franchement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que moi aussi je veux réussir, je veux avoir beaucoup d'argent. Il dit, ok, comme tu insistes, voyez la procédure. Il m'a dit, d'abord, pour entrer dans la franc-maçonnerie, je dois commencer par la Rose Croix, l'église, c'est une église. C'est l'église de Satan. Donc, comme ça, j'ai demandé les détails parce que j'étais curieux. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait dans la Rose Croix? Vu que moi, je ne vais pas à l'église et puis je suis comme ça. Il m'a dit d'abord, la première des choses, quand tu rentres dans la Rose Croix, on t'enseigne ce qu'on appelle l'épée invisible. Maintenant, c'est comme catéchèse, on monte des grades. Donc, c'est dans ça, quand on monte des grades, comment il explique? Quand tu vas monter des grades, c'est ça maintenant. Après, il y a un sacrifice à faire. Et après, tu vas faire le cercle chromatique en mettant des bougies. Et il y a des récitations pour invoquer Lucifer qui va paraître devant toi. Et c'est comme ça que tu vas faire tes vœux. Mais tes vœux que tu vas faire, il doit prendre quelque chose en retour. Mais ça peut être ta maman, ça peut être ton papa, ça peut être tes frères. Il a dit, vraiment, il n'est pas totalement convaincu. Bon,
J'ai dit, il se pas pour. Non. Parce que l'argent que je vais chercher, c'est pour rendre mes parents fiers. Mais s'ils sont bons, qui va bouffer l'argent? Donc, c'est comme ça, j'ai pris des jours à réfléchir. Parce que j'étais un gars vraiment passionné dans le monde. Je croyais que la vie, la vraie vie était dans le monde. Donc, ma vision, c'était de voyager en Europe, avoir des banques dans le monde. C'était ma vision. Donc, je voulais faire tout mon possible pour arriver à cette vision-là. Donc, je lui ai dit, OK, j'ai compris. Mais il a dit, il a besoin de mon accord avant que la procédure va commencer. Et il était mon professeur de français. Donc, à chaque fois qu'elle vient, d'un coup, ça va, oui, monsieur, ça va. Et je les regardais. Dans mon cœur, moi, je sais ce qui se passe. Mais j'ai dit non, ça, je ne peux pas. Et je me suis tué. J'ai dit à personne. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand témoignage devant toute la nation aujourd'hui. Alléluia. Acclamation. Clap of free. Et c'est comme ça. Après ça, quand j'ai refusé, mes premiers mois commençaient à commencer à l'école, ça n'allait plus et tout. Bon, tout a commencé à devenir flou. Donc, en 2022, j'ai croisé les membres de la CMCI. Bon, pas que j'ai croisé, tellement les membres étaient trop. Mon papa même m'a attiré d'aller voir son frère, il s'appelait le pasteur Seydou. Il m'a prêché l'évangile. Il dit, OK, comme moi-même, je suis fatigué, il a accepté. Il a fait le baptême. Quand il a fait le baptême, ils m'ont dit non, on a fait le brisement des liens. Qu'est-ce que tu fais le brisement des liens? Tu t'appelles Chiego, tout ça. Il a dit, il a compris. Il a dit, il a compris. C'était pas dans mon cœur. Comme ça, je me libérer. Oh, j'avais une copine. Donc, quand il dit, aujourd'hui, on s'en va. J'ai dit, non, demain. Et il n'était pas prêt. Et c'est comme ça. Que j'ai, comme j'étais la fille, j'ai dit non, moi je n'ai pas fait le brisement des liens, que votre église c'est trop dur. Donc, comme ça, les problèmes sont empirés. Il fait les croisades, tout ça. En fait, chez moi, la spiritualité n'existait pas chez moi. Il faut que tu travailles dans le physique, et bien c'est réaliste. Vous voyez comment je procédais dans ma vie. Mais après ça, quand il a fini de faire le baptême d'eau, tout ça, il s'est encore sorti avec ma chérie. Et les problèmes ont empiré. Bon, après, il dit non, ok, votre affaire de Dieu, il m'en fout. Donc, il a laissé tomber, histoire de Jésus. Et c'est comme ça, j'ai échoué au bac 2 années. La 3e année, c'est celle-ci. Cette année, lorsque j'étais à l'école, pour que mes parents gagnent l'argent pour faire des moyens financiers par rapport à mon école, on n'arrivait pas. Donc, il a fait 5 mois de cours, élève terminal. Mais, comme il a toujours dit que je ne croyais pas à la spiritualité. Donc cette année, malgré pas de pas le corps, j'avais 7 de moyenne comme moyenne annuelle pour aller à l'examen. Il dit, moi, je vais pas avoir le bac. Et c'est comme ça, j'ai fait tout mon possible. Et cette année, c'est la bonne. Et c'est comme ça, je me suis mis à travailler sérieusement. Mais que je suis parti, tout s'est bien passé. Et j'étais confiant. Donc, comme ça, à une semaine de l'examen, à une semaine avant les résultats, j'ai fait un songe où j'ai eu 200 points. J'ai crié, wow! Et puis mon ami dit, attends, sachez, 200 points, chérie. Il voit 85, refusé. Il dit, ah! Ça m'a travaillé. Matin, il n'a pas mangé quand le soir. Il est sûr que c'est dans la maison, je ne suis pas sorti. Il a manqué, maman, il n'a pas eu qu'à échouer. Il s'est pas le résultat, 137 points, refusé. Il dit, d'accord. Même cette année, encore, ben, Dieu est tellement merveilleux. J'étais encore bruteur. Voilà, là, il a oublié de dire ça. Voilà. Hein. Et c'est cette année qu'on me dit, mes parents n'ont pas les moyens d'avoir l'argent pour me scolariser. Moi-même, je vais faire de mon mieux. Et c'est comme ça que j'ai commencé la NAC. J'avais un blanc et allemand. Il a commencé, comme je suis une fille, oh, alors que mon mère était ce garçon, commencé à la naquer, tout ça. Donc, il m'a envoyé 50 euros. Et
quand la main de Dieu est sur toi, les 50 euros, je l'ai même bouffé. Quand on veut le code, comment on les appelle même? Comment on les appelle? C'est qui fait les vieux? Les buralistes. Il dit non, quoi, t'as passe pas? Quoi, t'as passe pas? Ton blanc t'a menti. Il dit non, oh, beaucoup de monsieur débutant, il a dit, oh, il n'y a pas de problème, il m'en fout. Donc, c'est comme ça que j'avais pour objectif cette année, lorsqu'on finit de faire le bac, j'irai au Bénin, me laver, faire les sacrifices pour que le blanc me paye ardemment, pour avoir des millions pour poursuivre mon rêve. Vous voyez? Donc, bien avant que l'examen va arriver, on écoute. Let us listen. Donc, à 2 semaines du grand examen, j'ai dit au blanc que, attends, que j'ai un souci à mon téléphone. Donc, j'ai fait 2 semaines, on ne peut pas causer. Or, mon ambition, c'est que dès qu'on finit net, son lendemain, le lundi, je pars au Bénin. Parce que j'ai des amis là-bas, il y a tout planifié. Me laver, faire des sacrifices, tout ça, pour que moi, les 7 millions, les 14 millions. Donc, il était prêt à tout pour devenir riche. Donc, un bon matin, le téléphone que j'avais, un coup comme ça, l'écran est parti sec. C'est comme si c'est tombé même, gâté. Aïe! Il dit, c'est quoi ça encore? J'ai laissé quand une semaine, j'ai pris encore. J'allume, c'est revenu. Mais c'est lent. Oh, quand moi, le téléphone, c'est lent, ça ne me plaît pas. Il dit, c'est quoi ça? J'ai réinitialisé le téléphone sans m'en rendre compte. Quand il a fini de réinitialiser, et puis je me dis, le numéro de blanc est dedans, tu fais comment? Il a perdu tout. Un bon matin, je me suis dit, j'ai réinitialisé le téléphone. Jésus-Christ. Jesus. Donc, c'est comme ça, quand il réinitialise le téléphone, tout est parti. Il dit, ok, maintenant, il m'en fout même. Il est resté comme ça. Et c'est comme ça, il a pris mes bagages. Il dit, bon, il n'est pas dans quelle zone, quelle localité. Mais il y a mes parents un peu partout. Et puis, il se dit, j'ai chez ma maman. Maintenant, arrivé chez ma maman en bas, qu'est-ce qui est arrivé? Elle partait dans une dénomination chez une prophétesse. Quand nous sommes allés là-bas, elle a dit, ton fils, ils ont qu'un chèque sur son fond, partout, pas ça. Il ne va pas avoir du travail. Donc, quand la situation s'est déroulée comme ça, moi, quand tu me dis ça, ils sont spirituels, ça m'énerve. Mon gars, ça chauffe. Non, c'est quoi ça? Donc, il dit, ok, comme c'est vacances, il a tout perdu, il allait faire les aides-maçons, tout ça. Mais si aides-maçons m'ont demandé, on dit, pas de place, 2000 francs, il n'y a pas de place pour moi. Jésus-Christ. Jesus. Donc, il voit que ça faisait mal. Donc, il était obligé de ramasser ça avec mes amis, pouvoir vendre les 3 000, puis on partait remettre les 1 000 francs. Il vu que ça ne m'arrangeait pas. Qui m'a donné le boulot, on dit non, on ne peut pas te prendre. Quand on vient de me la nuit, on dit, tu vois, partout on passe, on dit échec sur ton fond. Donc, ta vie, c'est pour faire échec sur moi. Quand il me dit ça, mon cœur, c'est chaud. Il dit, hé, hey, au classement. Il est fâché, il ne parle pas elle. Mais ça nous dit, je ne mange pas. Elle fait restauration. Il ne veut pas, il peut-être une semaine chez moi à la maison. Mais quand je suis arrivé dans le coin, on me dit, non, que ton église que tu as fait depuis 2022, là, eux, ils sont là. Il dit, moi, pas, il y a quelqu'un qui n'a pas vu mes prochains évangiles. Il y a quoi, moi, ça vient pour ça. Donc, il y a une soeur, elle est la mère, c'est la soeur Natacha. C'est elle, je ne sais pas, elle ne me connaît même pas, je ne sais pas. Elle dit non, il y a une femme de votre église, elle vient chez toi à la maison là-bas. Attends, moi, je viens d'arriver dans le quartier, mais on ne me connaît pas. Et puis, elle me chez ça, c'est pourquoi? Non, et donc, il sort. Qu'elle sort, c'est 18h, 19h. Là, il sait que c'est passé à pas me voir. Ah, mais chaque jour, on dit la femme, elle passe. Jésus Christ. Jesus Christ. Donc, c'est comme ça. C'était un jeudi. Je suis allé manger chez maman à la restauration. Elle me dit, ah, il faut faire ta repentance. Tu as revenu. Tu as retrogradé. Il dit, j'ai réfléchi. Quand il me parle de Jésus, là, mon classe est chaud. C'est la même chose. Tu as fait ça, Jésus, là. Mais tu peux faire Jésus comme ça. Tu n'es pas Jésus. Quand il me dit ça, mais il n'y a pas tant le mot, là. Mais mon classe, ça monte. Il m'a plus nous tuer, il laisse, il m'a veillé, c'est bon, il ne faut pas dans du monde. Quand il va venir, il dort. Il ne peut pas causer, elle m'énerve. Ma propre mère. Et c'est comme ça que son vendredi, il dit comme maman, pas toi, je suis fatigué, c'est bon. Et j'ai pris mon petit frère. Il dit, allons, on va dire avec Isabelle, on a fait une nouvelle repentance, nous deux. Et c'est parti.
Donc je suis parti. Le jeudi d'abord qu'il est dormi la nuit, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, il m'a vidé mon cœur dans la dame. Et puis, hier, c'est en paix. Donc le vendredi, il s'est arrivé. Il dit, ah, et si je me fais ma repentance, elle me regarde comme ça. Il dit, ok. Donc, il était assis. Il a tout confessé, tout. Et il restait. Il y avait un seul péché qu'il ne voulait pas dire. Et puis, il dit, ah non, ça, il t'a dit ça. Non, ça, c'est que pas dit ça. Que je dis, faut dire. Il dit, non, ah, il me masturbait. C'est que chaque jour. Donc, c'était le seul péché qu'il ne pouvait pas confesser. Mais quand il est fait sortir de ma bouche, il a senti un poids lourd qui a quitté sur moi. Jésus-Christ. Jesus Christ. Donc, quand il a fini de faire la confession, en tout cas, il me sentait libre. C'était le seul péché. Comme si esclave du péché. Il ne pouvait pas faire une journée sans me masturber. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais j'étais dedans comme ça. C'est comme si j'étais esclave du péché. Vous voyez? Donc c'est comme ça, quand il est fini, elle m'a dit que pendant que tu te confessais, voilà un démon qui est sorti et il est arrêté à côté de toi. Donc le seul péché que tu ne pouvais pas confesser là, si tu s'en gardais, il allait rentrer encore et ta situation serait pire. Il dit, oh, moi en tout cas, moi j'ai tout confessé. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'étais devenu authentique que moi. Jésus-Christ. Moi, qui ne pouvais pas faire une journée sans coucher avec la femme, quand je vois une femme, je ne pouvais pas résister. Il faut que forcément je vais pour prendre son mot pour la draguer. Je ne résistais. Il ne pouvait pas résister. Il était esclave des femmes. Mais aujourd'hui, quand j'ai fait la vraie repentance, j'ai fait le baptême d'eau, tout le bonheur du monde, c'est comme si on s'éphémère devant moi, à mes yeux. Ça n'a plus d'importance. Et à travers ça, maman qui a fait 14 ans dans son église, elle dit, si mon fils a changé. Parce que je suis revenu, ça ne vaut pas au moins un mois. On s'en est maintenant dans 4 semaines que j'ai cru. Et j'ai prêché l'évangile à ma mère. Elle dit, ok, j'accepte. Donc elle est venue, elle a fait sa repentance, son brisement des liens. Jésus-Christ. Et quand elle a fait le brisement des liens, elle dit, mon fils, ici, à Jésus. Donc, quand elle a fini, elle dit, je t'avais parlé, non. Si moi, je suis parti et puis je t'ai délivré, c'est parce qu'elle a vu que moi aussi, il faut venir. Parce qu'elle souffrait de l'esprit de communion et l'esprit humain qui habitait en elle. Donc, ça fait 14 ans qu'elle cherchait la délivrance, elle n'a jamais obtenu. Mais quand elle a mis son pied à attirer, quoi, elle était délivrée authentiquement. Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça que elle est venue, elle a fait sa délivrance. Ils ont fait délivrer sa camarade. Elle, sa camarade, il a prêché l'évangile. Elle dit, mais pourquoi vous dans votre église, on ne prophétise pas pour dire, tu dois voyager, tu dois te marier. Pourquoi? Il a dit, ici, il faut prier pour toi-même. Dieu va t'exaucer. Acclamation à Jésus-Christ. Love of bring to Jesus. Donc, c'est comme ça que elle est arrivée ici. Bien avant qu'elle ne vienne ici, c'est que depuis que j'étais dans le monde, je n'ai jamais donné 5 francs à ma mère. Et chaque jour, elle se plaignait. Il a dit que je n'étais pas encore autonome, je n'étais pas fonctionnel, donc je ne peux pas donner mon argent. Donc mon argent, c'était pour m'habiller, donner au goût, aller faire maquiller, boire des nuits, les bouts d'oreilles, tout ça, pour attirer les filles envers moi. Donc elle se plaignait à chaque fois. Mais quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, je suis allé même faire aide maçon. Là, il m'a accepté. Hein? Qu'elle fait la réponse à ça? Qui m'a demandé, il m'a accepté. Voilà. Jésus-Christ. Oh, offrant d'acclamation à Jésus. Love of him to Jesus. Il est vivant. Donc, il a fait aide-maçon sur une semaine pour voir venir à Tiquoi. Donc, mon argent était dans ma main, je ne sais pas faire quoi ça.
Donc elle m'a dit, ah mon fils, il n'y a pas de l'argent pour venir à Tico. On fait comme moi. Elle fait la restauration. Le vendredi, on devait venir ici. Elle a préparé. Ils n'ont même pas payé. Qu'est-ce qui était dans moi? Aide ma soeur, c'est venu. Ah maman, demain on s'en va. Aide mon fils, ils n'ont rien payé. Il dit, ah, ça, l'ennemi c'est qu'il tend vers sa fin. Elle dit, non, qu'elle ne peut pas laisser la nourriture pour venir à tirer quoi. Il dit, il sait, laisse la nourriture. Elle a laissé la nourriture. Nous sommes arrivés à la maison. Le matin, on devait venir ici le vendredi matin. Le matin, on s'est levé dans la chambre. Elle voyait 14 000 francs seulement dans sa main. Il y avait mon père qui fait 7 000 pour 7 000. Les 7 000 que moi je lui ai donné, plus mon père fait qu'elle a payé. Donc elle n'avait plus l'argent. Et il laisse, Dieu va faire. Elle dit, non, non, qu'est-ce que ça, je ne veux pas. J'ai dit, maman, laisse. Allons. Il est forcé, forcé, forcé. Quand elle a mis son pied sur le territoire, elle a dit, hé, chez vous, il n'y a pas fait, chacun, il va s'habiller joli, joli, hein. Vous allez regarder que personne ne calcule. Il a dit, ah, c'est ça, il y a la mousse, hein. Donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés. Le pasteur Méné a pris la parole. Il dit, nous taillons en pièces, nous jugeons. Elle dit, hé, hey, je vous dis, nous jugeons, nous taillons en pièces. Qu'est-ce qu'elle prie ça? Il dit, ah, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je faisais là-bas? Ce n'est pas ce qu'on fait là-bas. Eux chicotent les ennemis. Jésus-Christ. Jésus. Qu'est-ce que je fais les ennemis? Il dit non, hein. Dieu a dit dans la Bible que prie pour tes ennemis, enfin, puisque les gars puissent changer de cœur pour qu'ils craignent Dieu. Donc, c'est comme ça que je lui ai parlé. Il dit, ah, c'est que c'est vrai. Il dit, ah, chez vous là-bas, tu dois voyager, il faut te marier, il faut payer parfum, il faut payer balai. Ça, c'est pas bon. Quand je lui ai dit ça, elle dit non, elle ne veut pas. Il dit, moi, tu veux que je te marie, non? Elle dit non, mariage, c'est fini. Bien avant son bousement, il est. Mais il t'assure, quand elle a fait le bousement, le matin, elle dit non, je suis ici maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, elle me suit. Et grâce à moi encore, mon petit frère et ma personne ont été dévoués de la sorcellerie authentique. Et hier, comme ça, je priais que Luc me suit. Nous sommes deux aînés de la famille. Luc me suit directement. J'ai dit, l'année prochaine, à Tchikwa, tu vas venir. Il dit, grand frère, si tu m'appelles, je vais répondre. Parce que nous sommes de maîtres différents. Mais mon père, c'est un grand vaudou, un grand maître vaudou. C'est lui-même, le grand maître vaudou, qui m'a connu dans votre communauté ici. Parce qu'il a fait tout pour moi, ça n'allait pas. Et il m'a dit que, mon fils, si tu es fait le de Dieu, mets tout tes dépit dedans. Et je t'assure que depuis qu'elle fait la veille repentance, chaque jour que je me lève, je reçois des vrais cadeaux. Je ne demande pas, mais souvent ça veut me trouver. Et il te dit que tous mes amis qui m'ont oublié se souviennent de moi aujourd'hui. Et jusqu'à on me fout des cadeaux. Je veux dire que le Seigneur a vraiment fait pour moi. Alléluia. Pour d'autres, ils se disent que non, que j'ai fait au moins 4 ans. Non, je viens de quoi? Symptômes sont dans un mois. Mais Dieu a dû opérer les miracles. Et il y a comme ça. Parce que j'ai vraiment libéré mon cœur pour faire ma vraie repentance. Parce que je suis fatigué des choses du monde. Parce que ma passion, c'est que c'était devenir riche même. Parce que je suis le premier de la famille. Il dit non, il faut que je fasse tout. Mais les idées qu'il prenait, il ne savait pas que non, ce sont les pièges de Satan. C'est maintenant que j'ai vu. C'était ma passion, la richesse. Sans Jésus, sans vin, c'est éphémère. Donc ce que j'aimerais dire, c'est que le Seigneur continue de me délivrer jusqu'à présent. Donc je veux bien le nom du Seigneur qui m'a délivré de toutes sortes de choses dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Oh, puissant sauveur, puissant sauveur, puissant sauveur. Oh, reçois la louange et la gloire. Oh, merci, 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 merci. Oh, merci, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, Seigneur Jésus. Il y a de l'espoir, Seigneur.
merci. Tu n'as pas changé. Oh, tu n'as pas changé. Le salut est dans le monde. Le salut est répandu. Oh, le salut. Le salut pour chacun. Le salut pour chaque jeune. Le salut pour chaque jeune fille. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Si, qui est missionnaire ici? Who is a missionary here? Ou bien qui est pasteur, ancien? Who is pastor, elder? Qui veut devenir riche étant pasteur ancien? Who wants to become rich being pastor and elder? Non, je vais vous donner le raccourci. I will give you the shortcut. Non, levez les mains. Non, il n'y a pas un piège, hein. Soyez simple. There's no trap. Si le désir est réel, il y a un secret pour ça. If it's real, your need, there's a secret. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Is there somebody who has raised a hand? Oh, oui. OK. Non, non, ça c'est très vrai. No, this is very true. C'est une révélation. It's a revelation. Pendant que les frères parlaient. While the brethren were speaking. Disons dans Proverbe. Let us read in Proverbs. Verset 18. 25 verse 18. 27 verse 18. Attends que je vérifie. 27. 27. 23, pardon, pas 18, c'est 23. 27, verse 23. À 27. From 23 to 27. Écoute, ça c'est une prophétie. It's a prophecy. Pour les dirigeants. For leaders. Qui doivent devenir riches en Dieu. Who must become rich for God. Je ne veux pas enseigner, on va lire parce que c'est une prophétie. On ne commente pas les prophéties. I will not teach it. We are just going to read it because it's a prophecy. We don't. C'est à moi-même aussi, ça s'adresse à moi-même. We just comment. We will not comment it. We don't comment. Pendant que les frères parlaient, while the brethren were speaking, le Seigneur m'a fait comprendre que la richesse d'un berger. The Lord made me understand that the prosperity of a shepherd vient de son troupeau. Comes from his flock. S'il veut devenir riche, if he wants to become rich, qu'il planifie la croissance numérique de son troupeau. He must plan the growth of the numbers or in numbers of his flock. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une exhortation, c'est une prophétie. I tell you the truth, it's not an exhortation, an encouragement, it's a prophecy. Si tu laisses le troupeau devenir chétif, maigre, et tu veux être riche, tu te trompes. If you let the flock become skinny and become skinny, you will not be rich. You are deceiving yourself. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Celles-là sont avec nous. On essaie, même si c'est les résultats, je vais te dire, on s'assoit d'abord. Ah. Non, non, il se dit parce qu'il y a des cris incohérents. Vous savez, un jour, nous étions au Gabon en 2012. You know, one day we were in Gabon in 2012.
Bruxelles. Et le frère Théodore avait dit là-bas que la richesse du berger, c'est le troupeau. And brother Theodore said that the prosperity of the shepherd is his flock. Many did not understand. À l'époque, in time past, avec les crises dans l'œuvre, les crises politiques et militaires, and with the crisis in the work and the political and military crisis, ou militaro-politique, comme on dit. Military, political and military crisis. L'Église était partie de près de 7000 membres à 3000. The church went from 7000 members to 3000 members. Quand il a dit ça, moi j'ai pris ça comme une prophétie. When he said it, I took it as a prophecy. Après la crise, pour payer les missionnaires, on faisait au lieu de 4 mois, on faisait 8 mois de dîmes et offrandes. 8 mois. After the crisis, for us to pay. 8 semaines. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, 8 semaines. 8 semaines. After the crisis, instead of 4 weeks, we spent about 8 weeks in order to pay the missionaries. C'était difficile. It was hard. Quand on trouve un peu, on envoie un missionnaire. Lui, il ne sait pas qu'il y a un problème. Il annonce à ses frères que c'est tombé. When we find a bead, we send it to a missionary. He doesn't know how we manage, and he's so happy that he annoys his brethren that the money has come. Et les autres commencent à appeler le frère de Gonzague. And the others start calling brother de Gonzague. On a travaillé. We worked, sachant que la richesse, c'est le troupeau. Knowing that the prosperity is the flock. Aujourd'hui, vous voyez là où nous sommes en train de today, you d'adorer see Dieu. Us here, worshiping God here. Ce n'est pas à crédit. It is not on credit. Jésus Christ. Jesus Christ. Donc va. So go. Deviens riche. Become rich. Nous-mêmes bientôt, ça ne sera plus comme ça. Even we. On very va accélérer. Soon, it will not be like this. Les vaillants, celui qui fait l'ancien brouteur là, l'ex brouteur, il va devenir un membre béni. The former scammer will be a blessed member. Les petits enfants, the little children, the, vont obtenir des grands diplômes. Ils sont à la maternelle, ils sont à l'école primaire. The grand little children will have great certificate. L'ancien dit que c'est combien? 6 semaines. The elder said that it's 6 weeks. Oui, oui, déjà de Gonzague même là, il dit que c'était 6, c'est ça. Hein? De Gonzague himself is here. He said it was six. En tout cas, 6 ou 8, c'est qu'il y avait un problème. 6 or 8 or 8, it means that there was a problem. Les petits enfants, the little children, vont devenir des grands docteurs. Will become great doctors. Des grands hommes d'affaires. Great businessmen. Sans effort. Vont devenir des grands docteurs, des grands hommes d'affaires de la nation et de les nations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va s'accomplir. Amen. This will come true. Amen. Ça va s'accomplir. It will come true. Et c'est une richesse. And this is a richness. Je vous dis, c'est une prophétie pour tous les missionnaires. I tell you the truth, it's a prophecy for all the missionaries. Et les missionnaires vendaient les livres. And missionaries sell books. Le frère disait que la vente des livres, c'est
l'affaire légitime d'un missionnaire. Brother Zach used to say that book sale is the legitimate business or matter of a missionary. Vend les livres sans complexe. Sell the books without complex. Personnellement, j'ai grandi dans la vente des livres. Personally, I am growing in the sale of books. Parce que le diable peut tromper les missionnaires là que non, vous n'avez pas besoin d'argent. On dit Dieu baptise dedans. Quand tu es né, déjà un missionnaire, c'est un homme d'affaires spirituelles. Quand tu dois implanter l'église, tu implantes les écoles, tu implantes les hôpitaux, tu crées les missions agricoles, tu crées. Le missionnaire, ce n'est pas un petit, mes amis. The missionary is not a small man. He is a spiritual businessman. He creates schools. He plants churches, creates schools and agricultural structures. Tu développes le pays et ça aide tout le monde. You develop the country and it helps everybody. Tu arrives dans un village, tu développes le village. You get into a village, you develop the village. Même la maison de prière, là où vous allez vous rassembler, c'est une maison qui témoigne de la prospérité du lieu. Even the prayer house, the place where you gather, is a house that testifies of the prosperity of the place. C'est un acte économique. It's an economic act. Donc un missionnaire n'est pas un fleque man. So a missionary is not a weakling. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous sommes riches. We are rich. Va méditer sur ce passage. Go meditate on this passage. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand le Seigneur m'avait appelé, when the Lord called me, le 26 novembre 92, on 26 of November 1992, dans une rencontre dynamique, in a dynamic encounter, il m'avait dit, dès ce jour, he told me from this day on, je relève ta face. I will raise your face. Je te donne mon peuple et mes richesses. I give you my people and my riches. J'ai dit au frère, I told the brother, en analysant cette prophétie, while analyzing that prophecy, l'œuvre dans la nation ivoirienne, the work in the Ivorian nation, est appelé à la prospérité. He's called to prosperity. Il avait dit, je te donne mes hommes. He told me, I give you my men et mes richesses. And my riches. Et ça s'accomplit. And it is accomplished. On passait des temps difficiles. We went through hardships. Après notre démission, on a passé des temps difficiles. After resigning, we went through hardships. Un jour, j'ai demandé à Dieu. When I asked God, oh Dieu. Oh non, j'avais God. Dit, oh Éternel. I said, oh Lord. Où m'amènes-tu, moi et ma femme? Where are you taking me? Me and my wife. J'ai entendu Boniface. I heard Boniface. Je suis l'Éternel Dieu que vous invoquez sans connaître. I'm the Lord God that you call upon without knowing. On ne s'approche pas de moi avec incrédulité. You don't draw near me with unbelief. Arrête tes calculs. Stop your calculation. Il dit, je connais le chemin de la fonction publique. I know the way to civil service. Je connais le chemin de l'école. I know the way to school. Je connais les maux des nations. And I know the pains of the nations. Je te demande une chose. I ask you one thing. Sois fidèle. Be faithful. Aime ta femme. Love your wife. Et il a dit, je vous donne. And he said, dès qu'il a dit, aime ta femme, il dit, je vous donne. And he said, I give you, you and your wife. Donc, bon, je suis déjà baptisé dedans. So I am already baptized in it. Dieu est bon. God is good. Et ce camp, in this camp, on le baptise camp de la transparence. He's baptized the camp of transparency. Parce que les
Les principautés sont en train de tomber, vous ne discernez pas. Because principalities are falling, you don't discern it. Les témoignages qui sont sortis that came out. Montrent que les étoiles errantes sont en train de tomber. Show that the wandering stars are falling. C'est quand ça tombe comme ça. When it falls like that. La jeunesse marche dans la victoire. The youth walks in victory. Vous allez voir. You will see. Vous allez expérimenter des victoires dans les batailles. You will experience victories in the battles. Vous savez, you know, nous étions à Boaké. We were in Boaké. Là-bas, on nous a rendu un témoignage qu'un frère avait échoué au concours de l'ENA. There, they gave us the testimony that a brother failed the contest of school of administration. Après combien d'années? After how many years? Là, on a repris la correction. Après deux ans, Dieu contraint les gens à reprendre les corrections. Et quand on reprend, il est troisième. 2 years later, God compelled them to retake the corrections, the markings, and after that, he was the third. Publier ces témoignages-là. Publish those testimonies. Ça fortifie le peuple. It strengthens the people. Il est là. Viens m'aider. Come and help me. Le voilà. Here he is. Ça fortifie. That strengthens. Ça délivre. It delivers. Ça donne l'assurance. It gives an assurance. Quand le diable veut te tromper, when the devil wants to fall, tu dis que non, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Tell him that God is with us. God is with us. Et c'est très important, frère. It's very capital, brethren. Dieu est avec moi. God is with me. C'est différent de Dieu avec nous. It's different from God is with us. Et ce qui est vrai, c'est que Dieu est avec nous. And what is true is that God is with us. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que certains ont et d'autres n'en ont pas. Donc voilà. It's not something that some others have it and the others do not have. Here he is. Donc voici, poignée de main. Here is his handshake. Rends ce témoignage toi-même. Bell. Give that testimony yourself. Pendant que Josias apprête les livres. While Brother Josias is getting the books ready. Gloire à Dieu. Praise God. Oui, on veut même les pieds, parce que là on ne voit que la poitrine. Le voilà, frère, que Satan ne vous trompe. Here is, let not Satan deceive you. Lydie dit que son témoignage est dans des livres de la pauvreté, comme je dis, de publier. Non, je veux que ça se raconte dans les assemblées. Sister Lydie is telling me that his testimony is the book of deliverance from poverty, and I want this to be told in the assemblies everywhere. Vous savez, frère. You know, brethren. Si un frère prend sa voiture maintenant. If a brother takes his car now. Cogne une chaise. And hit a les chair. Gens vont dire que Dieu les a quittés, ils ont cogné la chaise. C'est-à-dire, le diable cherche quelque chose pour rabaisser la foi des croyants. People will say that God has left them because ils ont cogné la chaise. That he hit the chair. The devil wants is seeking things to bring low the faith of the believer. Voici un jeune homme. Here is a young man. Qui est soutenu par la main, la droite de l'Éternel. Who is sustained by the right hand of the Lord. Et on n'en parle pas. And we don't talk about that. C'est une erreur. It's a mistake. Mais je ne suis pas dans cette erreur-là. But I'm not in that mistake. Parle, jeune homme. Speak, young man. Gloire à Dieu. Praise God. Je suis le frère d'époux de Mené Stéphane. I am brother d'époux de Mené Stéphane. J'ai pour fils un disciple le pasteur Adou Kwaku François. My disciple maker is pastor Adou Kwaku François. Je suis de la région spirituelle de Boaké. I'm from the spiritual region of Boaké. Beke. Beke.
Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur. I'm greatly thankful, grateful to the Lord. Qui m'a effectivement délivré de la pauvreté. Was indeed delivered me from poverty. Il y a de cela, et dire, depuis 2016 surtout, depuis 2016 après le bac. Since 2016, after the baccalaureate, j'ai commencé à passer le concours de l'ENA. I've started sitting for the contest of School of Administration. Mais bien avant, un fait que je voulais souligner est que bien avant de passer le concours, but something I must say is that before sitting for that test, ma mère était décédée. My mother had died. Et mon père s'était remarié avec une autre femme. And my father got married with another woman. Et cette dernière, les conflits entre une nouvelle mère et un fils avaient débuté. And conflict started with that new wife. Et un jour, pendant une discussion, elle m'a dit que c'est vrai qu'on dit que tu es intelligent. And one day, during a dispute, she told me, it is true that people say you are intelligent. Mais comme tu ne m'écoutes pas quand je te parle, but since you don't listen to me when I talk to you, tant que je suis vivante, as long as I am living, le diplôme que tu as eu, tu ne vas pas travailler avec. The degree you got, you won't work with it. Et là, je lui ai dit que tu n'es pas Dieu. And then I told her, you are not God. Effectivement, je n'ai pas considéré les paroles qu'elle avait prononcées. Indeed, I didn't take into consideration what she said. Et suite à ça, j'ai regagné l'université. And after that, I went back to university. Et vu que la situation était devenue un peu complexe, and since the situation had become complicated, j'ai dit à mon père que je veux passer des concours. I told my father that I wanted to sit for tests. Et à compter de cette année-là, j'ai commencé le concours de l'ENA. And starting from that year, I sat for the test of School of Administration. Et pendant le concours, à la première année, quand je passais le concours, au premier tour, j'étais admis. At the first turn, I succeeded. Mais au deuxième tour, j'ai échoué. But for the second turn, I failed. Et comme c'était la première fois, je me suis dit que c'était rien. And since it was the first time, I said to myself that it was nothing. Mais il y avait une parole que, comme mon père lui avait dit, mais ton fils a passé un concours, n'a pas eu. Elle dit, il n'a rien encore vu. But when my father told her, but your son sat for a test and he did not succeed, she answered, he has not yet seen something. Et à partir de cette année-là, c'est-à-dire licence 1, licence 2, je passais toujours le même concours. And from that year, meaning in second year, third year of university, I always sat for the same test. Et la deuxième fois, j'échouais encore à nouveau. And the second time, I failed again. Arrivé en licence, j'ai repassé encore le concours. Quand j'étais en année de licence, surtout, j'ai repassé le concours. In the year I had to sit for the bachelor degree, I sat for the test again. Et là encore, j'ai échoué. And I failed again. Et quand je suis revenu à la maison, elle m'a dit, tant que ce que je t'ai dit, tu n'as pas fait, tu ne vas pas réussir. And when I went back home, she told me, as long as you don't do what I say, you won't succeed. En master, j'ai repassé le concours cette fois-ci avec les trois possibilités. In the year of master degree, I sat for the test again, this time with three options. Et cette année-là, j'ai passé les trois cycles. And les deux cycles, c'est tout. Les trois cycles. And that year, I sat for the test in the three cycles. Et là, le premier tour,
Le Seigneur me faisait la grâce que le premier tour, j'étais habitué à passer au premier tour. And the Lord granted me the grace to be admitted at the first turn. It was a habit for me now. Et là, au deuxième tour, je suis passé au deuxième tour. And that time, I succeeded in the second turn. Et là, je me disais que c'était déjà tout fait. And I was thinking to myself that it was already finished. Je vais à l'oral, je tombe dans tous les trois cycles cette année-là. I went to the oral session and I failed into all the three cycles. Et en 2022, and in 2022, je repasse encore le concours. I sit for the test again. Et cette année-là, and that year, en 2021, quand j'avais passé le concours, il y a un des animateurs qui m'avait souligné un fait. And in 2021, when I sat for the test, an examiner mentioned something. Il dit, je ne peux pas admettre qu'un concours que je viens passer, toi-même tu enseignes, tu bosses avec des amis et ces personnes obtiennent le concours et toi on te laisse. He told me, I cannot understand that a test you come to sit for, the people you work with, they succeed and you fail. Qu'il faut repartir dans ta famille, tu vas bien demander à ton père. Go back to your family and ask well to your father. Et quand j'ai répété la même phrase que le monsieur m'avait dit à mon père, il m'a dit, laisse-le, que le travail, que c'est l'homme qui donne. Et Dieu qui donne surtout. When I repeated that sentence, what he had told me to my father, he answered, leave him alone. It is the man works, but it is God who gives. Et quand le monsieur m'avait dit ça, ça m'a un peu interpellé. When the man told me what he had said, it made me reflect. En 2022, je reprends le concours. In 2022, I sit for the test again. Et je dis à mon papa que c'est facile là, je ne vais pas faire le cycle moyen, je ne vais pas faire le cycle moyen supérieur, je vais faire le cycle. Je ne vais pas faire le cycle moyen, je ne vais pas faire le cycle moyen supérieur, mais je vais faire le cycle supérieur seulement. And I tell my father that I will only sit for one exam, one test, the test for only one cycle, the superior cycle. Il m'a dit que c'est de la folie. He told me this is madness. Tu as trois possibilités d'avoir un concours, tu n'as pas. C'est-à-dire que le plus minime tu n'arrives pas à avoir, c'est le cycle supérieur que tu vas avoir. Dis que tu te vas donner ton argent gratuitement. He told me this is madness. With three options you fail and you want to sit for the higher one while you have failed for the lowest. Mais je voulais expérimenter quelque chose vu que le monsieur m'avait dit de demander dans ma famille. Donc j'ai dit à mon père que effectivement j'allais passer le concours, mais j'allais faire le cycle supérieur seulement. Et le cycle moyen supérieur, j'allais prendre mon propre argent pour m'inscrire, pour voir ce qui ça allait donner. But in fact, I wanted to experience something. I wanted to use my own money to sit for the second cycle test and use the money of my father for the superior test to see what would happen. Et cette année-là, je passe le concours. And that year, I sat for the test again. Au premier tour, je suis encore admis. After the first turn, I succeed again. Au deuxième tour, je compose et je passe à l'oral. After the second turn, after the composition, I go to the oral station. Mais cette année-là, je sentais que je devais avoir. Je disais même à mes amis que cette année, c'est fini. Les années, je sais que c'est terminé. But that year, I felt that I had to succeed. I even told my friends that it is finished. I will succeed this year. Puisque c'est lui-même qui m'avait interrogé quand j'ai fini, nous sommes croisés, Dieu dit, va et prépare ta tenue pour rentrer à l'école. Since the one who had interviewed me had told me it is finished, go and prepare your outfit to come to the school. Et les résultats sont après. Quelques mois après, le résultat sort. And some months later, the result came out. J'ai échoué.
had failed. Et là, c'était devenu comme une folie. And that it had become like madness. Je repars en famille. I went back to my family. Mon père dit non, que tu dois aller dans une grande école pour continuer le doctorat. My father told me you have to go to another school to continue with the doctorate. Et dit, si j'avais la possibilité, j'allais brûler tous mes diplômes. I said if I had the, if it was possible, I would burn all my degrees. Parce que ça servait à quoi de continuer les études? Because what use was it to continue my studies? Puisqu'avec le bac même, je peux même passer un concours pour l'avoir. Since I could not even have a test, I could not even succeed a test with the A level. Et là, pendant cette période, c'était devenu tellement, il dit bon, j'ai plus rien à prouver, je suis mes amis, l'alcool ou rien, je fais ce que j'ai envie de faire. And at that period, I decided that I had nothing to prove, so I followed my friend, I drank. Et pendant cette période, il y avait un ami avec qui il a fréquenté, qui dit non, qu'on peut l'aider. Mon père fréquentait avec lui. And in that period, there was a friend of my father, a classmate of my father, who told him, we can help him. Et que je peux l'aider. I can help him. On va l'insérer à quelque part. We're going to insert him somewhere. Donc, quelques mois après, mon père me dit, fais tes barrages, tu vas aller suivre une formation en tant qu'agent contrôleur des douanes. So, some months later, my father told me that I would be following a training for customer service. Et je lui ai demandé, mais sans passer le concours, il dit, mon ami, ramasse tes barrages et va. Without even sitting for the test, he said, take your things and go. C'est après, je ne savais pas, donc je suis parti. I didn't even know, and I went. Il avait un arrangement avec le monsieur en question. He had arranged things with the man. Où il devait payer une certaine somme. He had to give a given amount of money. Et cette somme-là, il avait payé un tiers. And he had given one third of that money. Après 3 mois de formation, 6 mois. J'ai fait 6 mois de formation. Le monsieur appelle mon père pour dire qu'ils ont fini la première vague. After 6 months of training, the man calls my father to say they have finished with the first group. Qu'il doit rentrer, mais il y a un problème. That he has to go back, but there is a problem. C'est vrai. J'avais promis. On s'était mis d'accord que c'est après la formation que le reste d'argent qui restait, tu allais payer. It is true that it was agreed that the remaining of the money should have been given after the training. Mais tu as obligation de payer parce que sans ça, il peut plus continuer la formation. But you are obliged to give the money now because without it, he cannot follow the training. Et mon papa a passé le téléphone au monsieur. Je ne savais pas ce qu'il s'était dit. Donc, il dit, tu rentres, tu vas aller t'apprêter l'année qui va suivre, tu vas continuer la deuxième vague. And my father gave the phone, the mobile phone to the man. He told me to come back, I will continue the following year. Et c'est étant dans le cas qu'il m'envoie un vocal de plus de 5 minutes. And it was while I was in the car that he sent me a voice message of more than 5 minutes. Pour moi, peut-être c'était une chanson qu'il voulait me faire écouter au départ. C'est comme ça, j'avais compris, j'avais pas lu. For me, it was a song that he wanted me to listen to. This is what I believed in the beginning. Après, il me rappelle, il me dit, je t'ai laissé un message. Then he calls me back and told me, but I left you a message. Il dit, j'ai pas lu. Il dit, d'accord. I have not yet read it. Tu vas rentrer, mais prends tous tes barrages qui sont là-bas, tu viens avec. Il dit, j'ai tout pris. He told me, you're going to come back, but before coming, take all the things you have there. And I told him, I've already taken them off. Il dit, d'accord, c'est déjà très bien. Tu m'as déjà défoncé parce que c'est plus sûr que tu vas repartir là-bas. He said, okay, it is good, because it's not sure that you will go back there. Et c'est comme ça que je suis,
Quand il m'a dit ça, je n'ai pas compris. Après, il m'a rappelé pour m'expliquer le contenu de sa conversation avec le monsieur, qu'il devait payer la totalité de la somme pour que je retourne encore l'année qui va suivre pour continuer. Gloire à Dieu. Praise God. Voilà. Après ça, après avoir échoué au concours en 2022, after failing to the test in 2022, je devais, après avoir échoué au concours en 2022, et après cette formation qui n'a pas abouti, mon père m'avait demandé que je rentre à Dalwa. After failing and after that training that didn't succeed, my father told me to come back Dalwa. To Dalwa. C'est comme ça que je suis, au lieu d'aller à Dalwa, je suis parti à Bouaké. So, instead of going to Dalwa, I went to Bouaké. C'est comme ça que j'ai rencontré une sœur. It is how I met a sister qui m'a prêché l'évangile. Who preached the gospel to me. Et elle m'a confié au pasteur Adou. And she entrusted me to Pastor Adou. Après ma repentance, after my repentance, mon baptême, my baptism, mon brisement de lien, and the breaking of my evil ties, je pense bien que c'était 3 jours après le brisement des liens. I think it was 3 days following the breaking of my ties. Je reçois un coup de fil d'un ami. I received a phone call from a friend. Avec lequel je passais le concours en 2022. With whom I had sat for the test in 2022. Et il m'a dit que tu étais passé où? And he asked me, where have you been? Il dit j'étais en Côte d'Ivoire. I said I was in Côte d'Ivoire. Il dit mais aucun de tes numéros ne passait. He said but none of your phone numbers was working. Et donc, il y a une situation qui t'arrive, c'est tellement très long à expliquer que il dit d'accord, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. I told him I'd been through I told him that I'd been through a so difficult situation that I could not explain it. Et il dit c'est pas pour ça que je t'ai appelé. He told me it's not why I called you. Tu te rappelles du concours qu'on avait passé en 2022? Do you remember the test we sat for in 2022? Quand il a dit ça, c'est comme s'il avait réveillé toutes les blessures. When he said this, it was as if he had awakened all the hurts. Il dit mon ami, il sait que tu as eu, je n'ai pas eu. I said my friend, I know you succeeded and I failed. Et je voulais plus l'écouter. Il dit d'accord, toi, on veut t'informer, c'est toi qui t'énerves. And I didn't want to listen Jesus. To him anymore. Jesus. He said, we want to inform you and you are the one getting angry. Et là, il a raccroché le téléphone. And he hung up. Je suis allé prendre le téléphone d'une maman à qui le pasteur Adou rendait ministère pour le rappeler. I went and take the mobile phone of a mother to whom Pastor Adou was ministering to call him back. Je rappelle. I call him back. Il répond le même discours. He repeats the same speech. Comme il m'a dit de l'écouter jusqu'à la fin, donc j'ai déposé le téléphone, mais si on parlait, quand il parlait, Since he had told me to listen to him to the end, I put the loudspeaker and I was just answering. Après-midi, non, les gens sont méchants. Comment on peut passer un concours et les gens payent la place qui doit nous revenir? Ça, c'est pas nouveau. Then he told me, people are wicked. How can we sit for a test and people pay for the place we deserve? I answered him, this is nothing new. Et arrivé à certain moment, ça, mais il ne sait pas s'il fallait éteindre même le téléphone parce que ça me rappelait toutes les blessures durant ces 5 ans. And at a given moment, I did not know whether I had to switch the phone off because it was awakening all the hurts I had suffered. Donc je lui ai dit, vas-y. Dis ce que tu as envie de dire parce que la seule chose qui bat actuellement sur mon cœur, sinon je suis mort. So I told him, say what you have to say because the only thing that is, it is only my heart that is beating. If not, I am already dead. Et il a expliqué une situation qui s'était passée que après cette situation, les gens avaient payé. Après, il y a eu une confusion là-bas qu'ils ont recogé les feuilles. So he explained something that had happened, that there were confusion after which
the papers had been corrected again. Il dit, mais le rapport avec moi, c'est quoi? And I asked him, but what does this have to do with me? Il dit, tu es troisième. He told me, you are the third. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Donc, je lui dis, troisième. So, I tell him, third. Ce jour-là, je ne savais plus, c'est pas comment je fais pour, I don't know how I managed pour rester debout parce que j'avais la nausée, j'avais les vertiges. Parce... To remain standing because I was dizzy, I had nausea. Il dit, tu te souviens encore de tes coordonnées? Je dis, ce que tu viens de dire, j'ai tout oublié. He asked me, do you remember your information? I said, no, I have forgotten everything. Il dit que il y a eu un problème ici, ils ont corrigé les feuilles. Et il y a des personnes qu'ils ont repris. Et ces personnes-là, tu fais partie de ces 8 personnes-là. Tu es le troisième de la promotion. He said there was a problem. There was a problem here. There are some people whose copies had been recorrected and they have been taken back. And you are third among these people. Et c'est comme ça qu'après vérification, effectivement, and this is how, after control, j'ai eu la certitude que le Seigneur m'avait accordé le concours d'Elena. I had the confirmation that I had succeeded to the tests of School of Administration. Je suis finement reconnaissant au Seigneur. I am greatly grateful to the Lord. Qui a brisé cette malédiction que ma belle maman avait prononcée à mon égard. Broken that curse that my mother-in-law had pronounced. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. To our Lord Jesus Christ. Acclamation. Jeunes gens. Amen. Voici ce que Jésus fera pour chacun. Amen. This is what Jesus will be doing for each one of you. Le Seigneur est au milieu de la jeunesse. The Lord is in the midst of the youth. Pour la délivrer des œuvres du diable. To deliver it from the works of the devil. Pour la délivrer même du système. Even to deliver it from the systems. De la corruption. Of corruption. Pour vous imposer. To impose you. Comme ses représentants dans la société. As his representatives to the society. Ne tremblez pas. Do not shiver. Il est avec vous. He's with you. Voici here un is, exemple. Here is a testimony. Vous avez déjà entendu ça. Dès qu'il a cru, les choses ont changé. You see, you heard it. As soon as he believed, on a repris la correction. The correction. Dieu a d'abord mis la confusion. They recorrected. First of all, God brought a confusion there. Je viens de dire à Amour là que je lui donne 3 mois, il nous sort le film. De ce témoignage. And I've just told the brother Amu that within 3 months he should give us a video, a film of that testimony. Les années de suspense, de douleur. These years of suspicion and pain. Les prédictions d'une sorcière. The predictions. Les prédictions. Okay. The prediction of a sorcerer. Et la victoire de Jésus-Christ. And the victory of Jesus. Jésus qui brise la malédiction. Jesus who breaks curse. Il remplace les années dévorées par les sauterelles, les gelées, le hasam et le gazil. And he replaces the years that have been devoured by the locusts. Jeune. Young. Voici l'évangile, le type d'évangile que vous avez embrassé. Young man, here is the type of the gospel that you have embraced. Qu'aucun démon ne vous sorte de là. No demon take you out of there. Aucune fausse doctrine. No false teaching. Aucun faux prophète. No false prophet. Ce ne sont que des pièges. They are only snares. Au service du malin. To serve the wicked one. Jésus est là. Jesus is here. Josias. Prophet Josias. Va nous le livre et on prend la pause.